Docteur Ariel Henry, c'est le secrétaire général de la primature. Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement sortant, Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement entrant, Mesdames, Messieurs, les fonctionnaires et employés de la primature, Monsieur le directeur général AI de la police nationale d'Haïti, Monsieur le commandant chef des forces armées d'Haïti, distingués invités, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs, en volant, titre et qualité. Depuis un peu plus de 3 mois, j'ai la lourde responsabilité en tant que ministre des Affaires étrangères et des Cultes de diriger le gouvernement ad intérim suite à la démission du Premier ministre Joseph Jout. Cette charge m'a été confiée dans un contexte de crise politique vieille de 2 ans ou de plus de 2 ans, exacerbée par une insécurité galopante, caractérisée par des cas de kidnapping spectaculaires, des troubles récurrents à l'ordre public et les assauts des gangs armés. La circulation des personnes et des biens s'en est trouvée sévèrement perturbée. La peur a gagné toutes les couches de la population, souvent victime d'actes d'assassinat. Il est important de noter que le président de la République voulait faire de la démission du Premier ministre Joseph Jout une opportunité pour faciliter la conclusion d'un accord politique avec des secteurs de l'opposition, de la société civile organisée en vue de mettre un terme à la crise et par conséquent faciliter l'organisation des joutes électorales dans un climat politique apaisé. C'est ce qui a motivé le chef de l'État à ne pas désigner un chef de gouvernement définitif, laissant la voie ouverte à la désignation d'un premier ministre de consensus issu de l'opposition avec pour principale mission la formation d'un gouvernement d'union nationale. C'est ainsi que le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, intensifiait le dialogue qu'il avait initié avec la classe politique et la société civile, ayant abouti, après environ 3 mois d'atermoiement et d'hésitation de la part de celle-ci, au choix consensuel du Premier ministre en la personne du docteur Ariel Henry. Le Premier ministre de consensus a été nommé par arrêté présidentiel le lundi 5 juillet 2021. Malheureusement, moins de 48 heures plus tard, soit dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet, le président de la République a été fauché chez lui en pleine nuit par des mercenaires, des assassins recrutés expressement pour accomplir cette sale besogne, selon les premiers éléments de l'enquête judiciaire. Le premier ministre désigné n'a pas eu le temps de constituer son gouvernement en concertation avec le président de la République. Il n'a donc pas pu être investi dans ses fonctions ni installé par le chef de l'État. Ce drame épouvantable qui a plongé le pays dans l'émoi et la consternation a porté le gouvernement démissionnaire à revenir à la charge, conformément au principe de la continuité de l'État. C'est ainsi que, grâce à l'engagement solidaire et au sens aigu de la responsabilité de tous les membres de l'équipe gouvernementale, nous avons su tenir la barque nationale, garantir la paix publique et par-dessus tout, prévenir le pays de la catastrophe à laquelle un tel événement devait l'exposer. Quoi qu'on dise, aujourd'hui où les conditions sont réunies pour assurer la passation de dossiers entre le gouvernement démissionnaire et le gouvernement définitif, conformément aux dernières volontés politiques du feu président Jovenel Moïse, selon, bien sûr, la belle formule de l'ancien Premier ministre Evans Paul, nous devons nous enorgueillir d'avoir pu éviter que le pays sombre
dans le chaos et l'anarchie qui le guettaient au lendemain de ce crime odieux et abominable. Parallèlement, les dispositifs idoines ont été pris très rapidement à l'effet de déclencher les opérations policières ayant permis d'appréhender les assassins du président de la République et du même coup d'initier l'enquête judiciaire. C'est une situation inouïe que personne, vraiment personne, ne pouvait imaginer, mettant à rude épreuve une équipe gouvernementale démissionnaire et en essence de départ. Il a fallu faire preuve d'intelligence et d'ingéniosité pour mobiliser les ressources et énergie nécessaires pour y faire face. L'histoire ou la postérité retiendra qu'il a fallu, dans cette circonstance exceptionnelle, du courage, de la clairvoyance, de l'abnégation, du patriotisme et surtout un sens élevé de l'État. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis d'adresser aux membres du gouvernement démissionnaire, en particulier aux membres du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, ainsi qu'aux membres de mon cabinet, mes félicitations et mes remerciements au nom de la patrie commune pour leur sens de responsabilité, les sacrifices consentis et leur collaboration franche et sincère. Cette épreuve aura permis aux uns et aux autres de se découvrir et de se rendre compte des exigences qui s'imposent à un homme d'État, des qualités qui lui sont requises, mais aussi de mesurer les implications et les valeurs qu'impliquent les fonctions politiques. L'assassinat du président de la République est un coup dur porté à la démocratie. Il est venu nous rappeler les sacrifices qu'il faut consentir pour trouver la voie du développement et d'une gouvernance publique saine en Haïti. L'équipe gouvernementale qui cède sa place aujourd'hui au gouvernement de consensus restera à jamais marquée par ce sacrifice ultime d'un homme, d'un chef d'État jeune, pétri d'énergie, de courage et de dévouement, qui a voulu tant de bien pour son pays et pour lesquels on se battait à ses côtés. Nous nous devons donc de poursuivre, individuellement ou collectivement, cette lutte contre les inégalités sociales qu'il menait constamment, faisons-le pour sa mémoire et pour notre pays. La République lui doit d'identifier tous ses assassins, auteurs intellectuels, complices et exécutants. Tout gouvernement, tout acteur politique, tout citoyen, toutes les forces morales doivent s'engager dans cette démarche afin qu'une telle atrocité ne se reproduise plus dans notre pays. Chers collègues, ministres, secrétaires d'État et collaborateurs, c'est un honneur d'avoir travaillé avec vous et d'avoir pu bénéficier de votre soutien dans cette difficile mission de maintenir une équipe gouvernementale démissionnaire, soudée et solidaire. Seule l'histoire pourra juger de nos efforts. Monsieur le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, vous prenez les rênes du pouvoir exécutif à la faveur de la vacance présidentielle, en votre qualité de président du Conseil des ministres, dans un contexte qui, à bien des égards, est très difficile, très différent, bien sûr, de celui que nous avons connu au moment de votre nomination le 5 juin dernier. Vous vous rappelez sans doute que, tout de suite après votre nomination officielle par le feu président Jovenel Moïse, je vous ai appelé pour vous féliciter et vous donner la garantie de ma franche collaboration. C'est avec cette même élégance, cette courtoisie républicaine que je vous transmets aujourd'hui les clés et les bureaux de la primature. Votre destin d'homme d'État vous impose cette mission que vous n'avez peut-être pas vue venir. Certainement, aucun politique, aucun citoyen aspirant à servir son pays ne souhaite devoir porter une telle charge. C'est pourtant celle qui est la vôtre aujourd'hui et que vous acceptez courageusement. Vous héritez d'une situation exceptionnelle,
caractérisé par l'absence du président de la République pour vous servir de bouclier. Une crise politique sans précédent dans l'histoire du pays. Une insécurité galopante. Une situation socio-économique morose et précaire. Un processus électoral à poursuivre impérativement. Et j'en passe. Tel est le sombre tableau du pays dont vous allez diriger le gouvernement, monsieur le Premier ministre. Y a-t-il des recettes pour vous aider, vous et les membres de votre gouvernement, à relever de tels défis avec des enjeux aussi importants? Difficile à dire. Toutefois, ne peuvent-elles pas être trouvées à travers un dialogue franc et ouvert, impliquant toutes les composantes de la société, ou à travers un accord politique engageant toutes les forces vives de la nation? En tout état de cause, monsieur le Premier ministre, la satisfaction des besoins de la population, l'établissement d'un climat d'apaisement social et politique, la résorption du phénomène de l'insécurité, la création des conditions nécessaires au développement du pays et le bien-être collectif sont parmi les principaux chantiers qui vous attendent, ou mieux, qui nous attendent. Sans oublier, bien entendu, la poursuite et l'aboutissement sur l'assassinat du président de la République en vue de la manifestation de la justice autour de cet acte de la pure barbarie. Sans oublier, bien entendu, la poursuite et l'aboutissement de l'enquête sur l'assassinat de mon ami, mon président, son Excellence M. Jovenel Moïse, en vue de la manifestation de la justice autour de cet acte de la pure barbarie. Je m'engage à vos côtés pour contribuer, dans la mesure du possible, à la pleine et entière réussite de votre mission. Je vous souhaite, Excellence, Monsieur le Premier ministre, beaucoup de courage, de détermination et surtout du succès pour le plus grand bien de notre pays et de la population qui souffre amèrement. Je vous remercie.